Maintenant, je reviens sur l'amendement et sur ce que nous défendons avec les régimes spéciaux et les salariés. Notre régime des retraites est attaqué par quelque chose qui est gravissime pour lui, qui s'appelle la baisse et la stagnation des salaires. C'est ça qui met en danger les pensions des Français. Vous savez, pour un enseignant, sur les 20 dernières années, la part des salaires des enseignants a perdu entre 15 et 25%. Et le salaire brut, vous avez tendance à l'oublier parce que nous avons eu ce débat à l'été dernier. Le salaire brut, pour nous, n'est rien d'autre que le plus beau des salaires. Le salaire brut, c'est ce qui permet de justement se préparer aux accidents de la vie. Et méthodiquement, depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous vous êtes engagé à casser le salaire brut. Et maintenant, vous pleurez parce qu'il y aurait un déficit léger du système des retraites. Vous faites obstruction à la bonne santé du régime des retraites. Vous faites obstruction à la bonne santé de la sécurité sociale. Voilà à quoi vous faites obstruction. Voilà pourquoi nous défendons pied à pied, ligne par ligne, mot par mot, le bien-être des salariés français et des fonctionnaires. Et ne vous étonnez pas si le pic de démission a été atteint sur les dernières années. En 2021, 150 000 démissions, parce que le monde que vous avez créé est un monde sans adhésion, où le patronat, le petit, ne peut plus payer parce que vous l'avez écrasé, et le grand ne veut plus payer parce que vous l'avez trop choyé. Résultat, il n'y a plus de vie en commun, il n'y a plus de moments de colonie de vacances, il n'y a plus rien qui est payé par le patronat, et les salariés s'en vont parce qu'ils ne sont plus une seule seconde attachés à leur entreprise. Je vous remercie. Et attachés à leur fonction publique. Merci, monsieur Guiraud. Voilà ce que vous cassez.